de l'énergie, de l'éducation ou de la santé. Il y a d'un côté le vieux monde qui essaye de la résoudre, qui n'y arrive pas très très bien. Et de l'autre, des gens qui disent ben, auto-organisons-nous, créons des initiatives. Euh, Naît aujourd'hui une nouvelle forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale. On retrouve le terme holos, holistique, donc une structure holistique. Ça veut dire de gens euh, comme toi et moi et tant d'autres, des milliards d'humains aujourd'hui sur Terre, interconnectés en réseau et qui commencent à s'auto-organiser en dehors des formes institutionnelles pyramidales classiques. J'ai décidé de participer à l'évolution de l'humanité de l'Homo sapiens vers l'Holo sapiens. J'ai décidé euh, de créer euh, les technologies de la société post-argent et de libérer euh, les gens de l'argent conventionnel et de tout, tout ce que ça induit euh, sur notre planète aujourd'hui. investi depuis 20 ans dans cette euh, nouvelle recherche euh, qu'on appelle l'intelligence collective, qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne. Pas simplement les humains, euh, mais le vivant, les bactéries, les, les fourmis, les oiseaux, les écosystèmes, etc. À quel moment ça commence à faire un tout cohérent et, et, et avoir une efficience euh, d'organisation et d'auto-organisation incroyable. Comment ça fonctionne tout ça Donc déjà, comment, comment on observe Première chose, euh, on, on regarde et on nomme, on cartographie, donc voir les grandes formes d'intelligence collective qui existent, euh, donner des noms, comprendre leur dynamique, pouvoir les modéliser, euh, voir quel modèle prédictif on peut on peut avoir. Et puis ensuite de se dire tiens, euh, maintenant quelles infrastructures, de quelle infrastructure la prochaine forme euh, a besoin. On doit inventer quoi On doit designer quoi Et donc, il y a eu des années, des années, effectivement, de, de R&D, de prototypage, de trucs avortés, euh, qui maintenant, aujourd'hui, me semblent naïfs, mais comme les, 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 les premiers euh, inventeurs qui ont voulu voler. Quand on regarde les premiers coucous qu'ils ont fait, ça nous fait marrer. Et en même temps, quel courage et quelle euh, quel, quel, quel audace euh, de d'oser. Combien on finit par se ramasser par terre Mais ça fonctionne comme ça, de toute façon. Ça touchait à des choses très transversales. On doit faire la société, on doit faire la politique. De l'économie, de la technologie, euh, de la théorie du chaos, euh, des systèmes, euh, de la biologie, de l'éthologie, enfin, théorie du choix social, théorie des jeux. Donc, énormément de sujets euh, transversaux euh, à cette, euh, cette approche-là. Et en même temps, je voyais que je ne pouvais pas l'aborder que comme un objet extérieur, comme une science qu'on regarde comme un, un universitaire à faire des papiers, des trucs comme ça. Il faut le faire. Et ça, ça s'avère très intéressant. Mais de voir que, ouais, euh, maintenant, il s'agissait de passer de l'astronome à l'astronaute cest à dire, de, ok, il hein, y a ce qu'on observe avec sa, sa jumelle, euh, mais ensuite de, de, de créer cet entraînement personnel pour vivre et faire vivre cette transition moi-même vers ce monde nouveau. Comme dans tous les systèmes, hein, euh, les systèmes vivants, il y a un moment où paf, ils explosent, il y a, y a une, un foisonnement. Euh, d'êtres monocellulaire ou de bactéries, ça dépend des époques dans, dans, dans l'évolution, euh, ou d'êtres vivants plus complexes ou de sociétés. Et puis à un moment, ça devient tellement complexe que soit ça s'effondre, soit la vie va trouver un nouveau champ de complexité, quelque chose de plus complexe. Et l'humanité se trouve exactement dans cette phase de turbulence. Elle peut s'effondrer, partiellement ou totalement, mais elle peut aussi euh, faire un upgrade absolument incroyable. Et là, ça touche à l'ingénierie sociale. Cette grande bascule, il y a plusieurs façons euh, qui ont jailli euh, de, la, de la nommer, notamment le passage de euh, l'homo sapiens à l'holo sapiens. Donc, un être, euh, un être euh, qui devient à la fois local et global, holo, holistique. De mon regard de chercheur, euh, je vois s'opérer une évolution de notre espèce. D'ailleurs, euh, pas mal de mes conférences se voilà notre espèce évolue et vous euh, Comment on se situe personnellement en tant qu'être humain par rapport à ce mouvement Et là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais il y a une bonne question, en tout cas, à se, à se poser. Je parle aussi, justement, du, du concept de go hack yourself. Euh, donc aller se hacker, justement, parce que ça va se faire comme ça, on se hack. On se, donc le, le, je le rappelle, le terme de hacking, au sens originel du terme, le hacker, il ne s'agit pas d'un pirate comme la, la plupart des gens le, euh, le pensent. Il s'agit de quelqu'un qui bidouille, c'est-à-dire on prend un moteur, on déconstruit, on, fait toutes les, on change toutes les pièces et on fait autre chose à partir de ça. On, on déconstruit quelque chose pour en faire quelque chose de mieux ou tourner à son avantage. Ce que la nature a toujours fait de toute façon, elle se hack depuis euh, la nuit des temps. J'ai contribué à, euh, ben, par exemple, euh, l'intelligence collective en tant que, que discipline de recherche. Euh, voilà, j'ai beaucoup contribué à cette, cette chose-là qui fait que euh, aujourd'hui, euh, ça existe en tant que discipline de recherche. Le fait aussi d'avoir contribué à toute la pensée, euh, la théorisation et la mise en pratique euh, de l'évolution de la théorie monétaire et de l'économie. Donc, je pense avoir pu contribuer à ces ces choses-là, ça a produit beaucoup de conférences que bah, qui se trouvent facilement sur euh, sur internet. J'essaie d'en rassembler quelques-unes, pas toutes, ça demande trop de travail sur euh, sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet également. Donc beaucoup de conférences, beaucoup de contenu. Ça a donné lieu à de, de la participation à l'écriture donc de de logiciels. De, de logiciel. Euh, ça veut dire aussi que je je m'implique euh, avec euh, des grands dirigeants de ce monde, euh, ces personnes qui se disent ok bon je me trouve à la tête d'un grand paquebot. Euh, ce paquebot s'appelle un ministère, un état, euh, une une grande banque. Un grand groupe industriel, et so what? Je sais bien que tel qu'il existe là, il va jamais nous amener sur la Lune, ce paquebot-là. On peut changer des tas de choses à bord, mais il y a une sorte de monstre aujourd'hui qui a bien servi euh, ces derniers euh, millénaires, euh, ces, ces empires verticaux, pyramidaux, mais aujourd'hui, ils peuvent plus fonctionner. Et quelque part, moi, dirigeant d'aujourd'hui, je le ressens. Bon, ai-je des mots pour le dire? Non. Donc, euh, voilà, des interactions peuvent se faire et ça fait que sans, sans avoir jamais calculer ou demander euh, quelque chose, ben je me retrouve euh, assis, euh, soit dans des espaces très, très intimes, euh, de, de, de relations, d'échanges avec des, des dirigeants, c'est de la raison pour laquelle d'ailleurs je, je n'en ne, je parle pas, je ne donne pas de nom, je ne dis pas à qui je vois, pourquoi, etc. Je, je m'en fous, ça n'intéresse personne. Et puis aussi, en euh, ben, aval, de dire, ben ok, euh, tiens, euh, on fait quoi avec cette grande industrie euh, aujourd'hui si euh, on sait qu'elle n'a pas d'avenir tel qu'elle, dans sa forme Mais peut-être que la structure n'a pas d'avenir, mais les savoirs, les connaissances, les humains, eux, ils ont de l'avenir. Donc comment... Euh, va s'opérer éventuellement une déconstruction, un flux migratoire pour une reconstruction sociale d'autres formes sociales et d'autres formes d'intelligence collective. Et là, on rentre dans des trucs vachement concrets. J'accompagne des entreprises, euh, des start-up, euh, euh, notamment deux, euh, l'une qui s'appelle Vegan Nation, euh, qui, qui vise justement à construire une nation végane dans le monde. Euh, il y a 300 millions de vegans, des gens unis par des valeurs extrêmement fortes. Euh, et qui, bah, ma foi, euh, peuvent tout à fait construire une économie, euh, une économie euh, où on institutionnalise la compassion plutôt que la violence, et on peut designer des infrastructures qui font que naturellement, on n'a pas envie de tuer les animaux, on n'a pas envie de consommer comme des malades, etc. Donc voilà un très beau projet. J'accompagne euh, tout ce qui touche là, euh, à la, aux infrastructures des futures crypto-technologies, donc un, un protocole qui s'appelle HoloChain. Euh, où j'ai participé depuis des années euh, à ça. Euh, et donc, il va, euh, à mon sens, succéder à la blockchain euh, parce que ça, ça fait beaucoup mieux, euh, plus vite, ça consomme pas d'énergie, euh, ça a une philosophie euh, une tournée vers euh, les personnes plutôt que les systèmes. Bon, je pas le développé maintenant, mais en tout cas, voilà une aventure intellectuelle passionnante. Euh, J'accompagne euh, une start-up qui s'appelle Holo euh, et qui euh, vise à utiliser... Euh, toute la puissance informatique disponible sur Internet, euh, à savoir nos ordinateurs allumés, mais dont on utilise euh, 5%, ou de la mémoire, du, du processeur, etc., de la bande passante, et qui peuvent euh, se mettre à disposition pour héberger des applications dites distribuées. Aujourd'hui, les applications qui tournent sur nos smartphones ou tout ça, en fait, le, le cœur et l'intelligence se trouvent sur des serveurs centralisés de type Google, Amazon, euh, Apple, etc., Microsoft, hein, euh, donc dans les mains de quelques-uns. Qui définissent les règles du jeu, qui écrivent le code et qui le contrôlent. Et nous, nos smartphones, il n'y a que l'interface de connexion avec ça. Eh bien, les applications distribuées font qu'en en fait, on n'aura plus de serveur central et tout va fonctionner directement en paire à paire. Ça pose une question très importante comment maintenir euh, l'intégrité des, des, des joueurs, en quelque sorte des gens qui ont des identités, euh, qu'on joue bien les règles du jeu ensemble et qu'on met bien euh, à jour les bonnes données euh, suite aux règles du jeu qu'on qu joue. Et eh bien voilà, Holo. Euh, représente une première application de ça, en déjà en mutualisant de la puissance euh, informatique pour héberger des applications distribuées et donner accès euh, surtout à ceux qui vont via une interface Internet standard, qui connaissent pas le système, que ça pas, mais pouvoir accéder à ces applications distribuées par une interface web euh, classique, un ordinateur classique, donc qui, qui verront pas tellement la différence, alors que structurellement, il y a une différence vraiment, vraiment importante. Voilà une très belle aventure, euh, Holo. Tout ça, ça s'inscrit dans un, un ensemble conceptuel plus vaste de nouvelles, de futures technologies qui s'appelle Scepter. On pourra donner les, les, écrire les adresses euh, après coup. Scepter, euh, qui a euh, défini par le menu l'ensemble des briques technologiques nécessaires pour que des systèmes vivants humains autonomes et interactifs et interopérables les uns les autres puissent euh, exister. Ça pose des questions euh, conceptuelles extrêmement complexes. Euh, et une fois qu'on a commencé à, à piger comment ça marche, tout ça, comment les systèmes vivants marchent, parce qu'ils marchent là autour de nous, hein, un, un écosystème, un, un lapin, un champignon, un oiseau, un arbre, ça arrive à fonctionner ensemble, alors qu'il s'agit d'êtres de, de, et d'ensembles cellulaires, de populations cellulaires très diverses avec euh, des mécanismes énergétiques, des économies intérieures très différentes, et ça fonctionne tout ça. Donc l'interopérabilité, euh, la composabilité avec l'ADN, ça existe déjà. Donc comment peut-on... Nous les humains finalement se servir de ces, ces dynamiques-là pour nous auto-organiser et faire construire une intelligence collective beaucoup plus élaborée que tout ce qu'on a eu euh, jusqu'à présent. Voilà. Eh bien, euh, Scepter définit euh, pose les bases euh, conceptuelles pour l'instant, euh, les briques conceptuelles euh, technologiques dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Et Holochain en représente une qu'on développe euh, aujourd'hui. Scepter, il s'agit de l'ensemble des briques technologiques qui vont permettre de construire des systèmes vivants, humains, euh, autonomes, décentralisés, complètement distribués en fait. Et mon rôle dans tout ça consiste déjà euh, à ouvrir le champ, ça veut dire créer l'écosystème euh, de chercheurs, de développeurs, euh, d'institutions de, de, qui vont euh, comprendre ou accompagner le, le processus. Donc euh, en termes anglais, il s'agit un peu du, du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie l'émissaire qu'on envoie euh, en amont pour explorer euh, les possibles. Ce qui fait que, voilà, je, euh, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines start-up, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En, en gros, j'éclaircis le... J'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour, euh, pour tout ça. J'ai vraiment euh, posé ce rôle officiellement. On parle d'ailleurs de Scepter Fellowship, un Scepter Fellowship Program, euh, dont je m'occupe. <music> Alors une autre forme d'expression qui, qui me passionne et dans laquelle je, je, je m'investis, il s'agit de l'écriture narrative. Euh, donc par exemple avec un ami, on a euh, finalisé euh, l'écriture d'une série télévisée. Euh, alors va-t-elle passer euh, ensuite euh, à l'avenir ou pas On va le savoir dans les mois qui viennent. On va aller la, la proposer aux, à des grandes maisons de, de, de production. Alors quand même, on a quelques atouts notamment. Cet ami, il a, il a fait beaucoup de séries à grand succès. Euh, donc euh, voilà, il connaît le, le milieu. Moi, j'ai pu amener euh, une contribution plus basée sur mes recherches, etc. Donc on a écrit une sorte de thriller qui parle effectivement d'une grande bascule très rapide euh, qui commence à se produire dans l'humanité. Dans Ça veut dire se upgrade en quelque sorte, et sans tomber dans le piège du transhumanisme, de, simplement de, de, de l'homme augmenté, ou euh, comment on va devenir une, une licence soi-même de Microsoft ou de Google. <laughs> voilà, donc il y, euh, y a cet aspect-là. Et je sens une mission accomplie, euh, de me sentir content, ouais, mais alors totalement quoi. <laughs> totalement parce que, euh, parce que ça, ça, ça fait de moi un être heureux, euh, mais profondément heureux. Et, et quand je dis heureux, je parle bien de ce, de ce bonheur euh, profond, ça veut dire euh, au-delà des vagues, euh, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, parce que. Euh, j'ai eu ouais, des moments de vague à l'âme, comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, j'ai eu des moments de joie. Donc il y a une surface, on va dire, euh, avec son agitation normale, avec parfois ses tempêtes, avec les accidents de la vie, comme tout le monde, comme tout être humain. Ça fait partie de la condition humaine, mais il y a ce, 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 ce bonheur euh, intérieur, ce témoin. Euh, et au-delà de ça, cette, cette âme. Donc, oui, absolument heureux de ce choix. Toute cette recherche et développement, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions euh, parfois politiques, dans des, dans des échiquiers humains assez complexes, euh, ça nourrit euh, la, la, la joie du beau. Ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté euh, créatrice. Et qui se qui, qui se nourrit elle-même. Donc ça, ça, ça fait une sorte de, 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 de cercle vertueux évidemment. On a depuis l'invention de l'écriture, on a fonctionné avec ces fameuses cette fameuse intelligence collective pyramidale. Pyramidale, ça veut dire il y a quatre grandes caractéristiques. Il y a un petit groupe qui décide élus ou autoproclamés, donc des minorités qui décident. Donc ça veut dire déjà que pour elles, toute la bande passante euh, passe par elles. Donc ça fait un goulot d'étranglement euh, énorme, sans compter les risques qu'on connaît, de corruption, de s'accaparer des privilèges, etc. Et puis, et puis aussi de pouvoir se tromper, tout simplement, avec des conséquences énormes. Ça veut dire que le reste du corps social a un input assez faible comparé euh, à ces quelques groupes minoritaires qui décident. Deuxièmement, chaîne de commandement. Euh, ben oui, une fois qu'on a pris une décision, il faut l'appliquer. Troisièmement, division du travail. On applique les chaînes de commandement sur des tâches accomplissables à l'échelle d'un être humain. Et puis quatrièmement, si je ne vais pas le développer aujourd'hui, je le nomme simplement ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit l'argent. Il y a une rareté inhérente dans euh, le système monétaire qu'on utilise depuis que ça existe, qui fait que cette rareté fait que ben, je vais par exemple avoir besoin de travailler pour toi et toi tu vas travailler pour quelqu'un d'autre et ainsi de suite et s'organise euh, comme ça euh, par les lois de distribution monétaire, des hiérarchies sociales et des chaînes de commandement. Elles ont besoin de ce mécanisme-là pour exister. Alors tout ça, ça a très bien fonctionné, mais cette intelligence euh, collective pyramidale, on vit dedans un peu comme des poissons dans un aquarium. On ne sait pas la questionner, c'est-à-dire que je vois la plupart du temps des gens qui font de l'activisme politique se demandent que vais-je pouvoir changer dans la pyramide euh, Comment la pyramide peut mieux fonctionner euh, Comment peut-on faire de meilleures élections Choses comme ça, mais ça ne questionne pas ou peu finalement l'ADN ou les, les infrastructures les plus profondes de ce genre de choses. Le langage de l'activisme social a tendance j'ai fait un peu, petit peu ce, ce reproche, en tout cas je ne m'y retrouve pas justement pour ça, a tendance à décrire la réalité comme un ensemble de problèmes. Hein euh, pas, pas assez d'eau potable, on consomme toutes les, les, les ressources, on, on fait des guerres affreuses, des guerres économiques, des machins, etc. Et on se met à voir le, la réalité comme un ensemble de problèmes euh, à résoudre. On analyse effectivement tous ces problèmes sans questionner l'ingénierie le, le, sociale. En fait, la cause de tous ces problèmes, voilà. ça relève de, de, du fait qu'on a aujourd'hui des collectifs, mais qui produisent de la pollution, des collectifs qui produisent de l'inégalité sociale, des collectifs qui produisent du manque d'éducation, etc. Finalement, l'ensemble des problèmes qu'on voit dans le, dans le monde relèvent, je veux dire, viennent d'une production de l'intelligence collective pyramidale. Non pas en tant que telle, mais parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Elle a créé une telle complexité qu'elle ne peut plus faire bien ce qu'elle faisait très bien avant et j'ai une immense gratitude pour cette intelligence collective pyramidale je dirais elle a, elle a fait naître les civilisations les arts les sciences la connaissance la littérature etc donc toute la beauté qu'il y a et aussi la part d'ombre hein. mais aujourd'hui elle a généré un monde tellement complexe qu'elle ne se suffit plus à elle-même pour générer pour embrasser euh, cette complexité voilà qu'elle a, qu a créée. Toucher à l'ingénierie sociale, ça veut dire commencer à toucher à l'ADN social et l'ADN social ça touche à tout ce qui nous traverse la langue qu'on parle. La langue elle a des visions du monde euh, dedans. Je peux changer quoi dans la langue et on peut changer quoi dans, dans une langue Voilà on fait de l'ingénierie sociale, des codes sociaux. par exemple le fait de respirer avant de parler ce que j'ai fait pas mal pendant cette, euh, pendant notre notre échange. Quand des gens un groupe de gens se met à respirer avant de parler, ils prennent plus ensemble du tout les mêmes décisions. Ils ne voient plus le monde de la même façon. Ils ont changé un code social, un tout petit code social. Mais ils, ont, ils font un truc énorme parce que euh, ils se connectent à leur être, ils désactivent le pilote automatique, ils méditent, ils écoutent leurs émotions, ils, on développe les fonctions empathiques, euh, on fait tomber la pression d'aller toujours vite, etc. Ça a des tas de conséquences de respirer avant de parler. Et bien, on fait de l'ingénierie sociale. Euh, Lorsqu'on design, euh, on crée des nouveaux systèmes monétaires, ça veut dire qu'on n'utilise plus l'argent qui, par nature, se concentre dans les mains de quelques-uns. Il suffit de jouer au jeu de Monopoly pour s'en rendre compte. On démarre dans un monde égalitaire et puis on finit avec des riches et des pauvres. Et pas parce que les gens ont nécessairement un jeu agressif. Hein, on pourrait euh, re remplacer le côté euh, immobilier violent euh, par nature, euh, enfin, dans sa réputation, par on, on s'achète des fruits et des légumes, donc un truc très sympa. Tout le monde démarre avec le même porte-monnaie et puis ben, ils vont finir aussi avec des, 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 des riches et des pauvres. Par la nature même de ce qu'on appelle l'argent, on peut designer des systèmes monétaires qui font qu'il y aura toujours la suffisance. Ça veut dire la masse, j'aurai avec moi la masse monétaire suffisante en, en proportion avec ce que je peux engager avec les autres. Et pas en, en disproportion. Il y a plein de gens qui pourraient créer des entreprises formidables, qui pourraient élever euh, leurs enfants de manière formidable, qui ou qui pourraient euh, s'éduquer de manière formidable, etc. Ils ne le font pas, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais parce qu'ils n'ont pas le, 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 comment dire, la représentation monétaire suffisante qui permet de le faire, ce qui s'avère parfaitement artificiel. On sait faire aujourd'hui des systèmes monétaires qui font qu'on va passer d'une économie de la rareté à une économie de la suffisance. Si j'ai toujours ce qu'il faut, ni plus ni moins, je vais faire des choix très différents dans ma vie euh, que si j'ai toujours de, de la rareté. Combien de décisions prenons-nous tous les jours, du matin au soir, de manière parfaitement inconsciente, dans le couple, avec nos enfants, au travail, sur le fait qu'on risque de ne pas avoir assez d'argent, on n'a pas assez d'argent, ou on en a trop, ce qui fait aussi euh, des, 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 des comportements complètement déviants. Alors que euh, si on passe dans des systèmes suffisants, j'ai toujours exactement la quantité qu'il faut. Et je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ça, on n'a pas le temps. Mais. Eh bien, les décisions que je vais prendre euh, sur comment je travaille, comment je m'éduque, j'ai envie de faire quoi, j'ai envie d'acheter quoi, eh vont s'avérer totalement différentes. Et donc si ça se fait à l'échelle d'une société, il y a tout le paradigme de la société qui change sa vision du monde. Elle passe d'une vision du monde de la rareté, de la compétition, de la territorialité, à quelque chose beaucoup plus axé sur la collaboration, quelque chose aussi probablement beaucoup plus féminin, beaucoup plus empathique. Donc on voit comment, en, et ça, moi ça me passionne à chaque fois que je fais du design monétaire, ça veut dire pour des futurs projets qui vont, je l'espère, aboutir dans les années qui viennent, euh, eh bien, on met les valeurs les plus profondes en mouvement lorsqu'on design euh, un système monétaire. Voilà, et là, on fait de, de l'ingénierie sociale. Donc ça a des aspects parfois low-tech. Tiens, allez, on change un code social, on se met à respirer. Ou on marche pieds nus, comme je le fais euh, très souvent. Euh, et tiens, ça change la structure du corps et la perception de l'environnement, etc. low tech, hein, vraiment. Euh, Ou changer l'alimentation, ça on peut le faire tout de suite. Alors, on peut se plaindre de tout ce qu'on veut, euh, de la pollution du monde, du réchauffement climatique, de la souffrance qu'on crée, etc. De la violence, bah ouais, ben bah, très bien. Il suffit de changer euh, ce qu'on a dans l'assiette. Ça peut se faire là, maintenant, dans l'heure qui vient, et on va vivre encore mieux et plus en harmonie et tout ça. Donc low hein. Et puis il y a du high tech, du high tech comme effectivement les crypto-technologies euh, qui vont permettre euh, à des organisations complètement distribuées, c'est-à-dire sans pouvoir central, de pouvoir exister, de pouvoir prendre leurs décisions, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'adapter euh, au monde comme les systèmes vivants le, le font, hein. si on regarde mes neurones dans mon cerveau, et les tiens, et ceux de chacun, il n'y a pas un neurone PDG ou président, et puis des neurones ministres <laughs> ou vice-présidents, ça fonctionne bien de manière distribuée, ça émerge, et il y a pourtant une cohésion d'ensemble qui se, qui, se, qui se met en place, et eh bien on va vers ce type de, de système humain extrêmement intelligent, beaucoup plus intelligent que l'intelligence collective pyramidale, et il y aura aussi de l'ingénierie sociale dans le high-tech. Voilà. Il y a tout ça mélangé. Donc on fait quoi Eh bien on fait de l'ingénierie sociale. Euh, mais pour faire de l'ingénierie, euh, il faut déjà posséder un vocabulaire. On ne fait pas euh, de la médecine si on n'a pas un vocabulaire précis de la médecine, on ne fait pas voler des avions, si on n'a pas un vocabulaire précis de l'aéronautique, etc. Eh bien on ne fera pas de l'ingénierie sociale si on n'a pas un vocabulaire précis de comment ça fonctionne tout ça. Comment nous les humains, eh bien on peut éventuellement euh, comprendre tout ça et... Une fois qu'on a compris, on met des mots dessus, et une fois qu'on a mis des mots dessus, on peut commencer à faire de l'ingénierie. Voilà. Il faut d'abord observer de manière empirique, il faut tester, et après on commence à devenir des ingénieurs. On a fait ça dans tous les domaines la médecine, l'aviation, l'éducation, euh, l'alimentation, etc. Voilà, et, et ça, euh, ça me semble absolument essentiel. Y a-t-il un lien effectivement entre ce cheminement profond et cette individuation et puis cette, euh, cette connexion à cette intelligence collective Là, il s'agit d'une super question parce que oui, absolument, totalement. La sociologie nous le montre. En sociologie, on parle par exemple souvent de créatif culturel. Euh, il s'agit de tous ces gens qui vont effectivement, qui font un chemin d'individuation ça j'en parle beaucoup dans mes conférences euh, on voit que le monde de l'intelligence collective pyramidale qui prédomine encore hein, euh, a fabriqué donc des gens, des technologies, un monde très sophistiqué donc des personnes sophistiquées et aujourd'hui les organisations pyramidales Deviennent tellement sophistiquées qu'elles entrent dans une sorte de double injonction assez difficile pour les gens qui dit Bon, devenez vous-même, devenez créatif prenez des initiatives, on vous forme. On n'a plus euh, le, le, le terrorisme d'avant où il fallait surtout des gens peu cultivés peu regardants qui faisaient une tâche répétitive. On, la moindre entreprise aujourd'hui, même les plus grands, les, les grands mastodontes, demandent des gens intelligents elle va les former. Ouais, simplement, c'est une conséquence. Euh, ça fait des gens donc, qui, qui vont vers une individuation, et plus on va vers l'individuation, moins on se retrouve dans, ces, dans ces, ces chaînes de commandement et ces pyramides. Donc ça crée un flux migratoire. Ça veut dire de gens qui se disent, bon non, je ne m'y retrouve plus, ou alors je garde un boulot alimentaire, mais les trucs, le vrai sens de ma vie, je vais le faire dans des ONG, dans des initiatives citoyennes, dans des trucs comme ça, et je garde un boulot alimentaire, mais le, le sens, il se trouve ailleurs. Ou alors des gens qui claquent la porte, ils n'en peuvent plus. Ils font un burn out et ils vont construire autre chose. Donc, on voit déjà ce processus d'individuation nourri par l'ancien système. Justement, il créent ses propres briques fondamentales et on voit donc ces gens s'extraire du système par des crises personnelles ou simplement ils y vont. Ou alors les jeunes, euh, la, la, les jeunes d'aujourd'hui, euh, bon, ils passent même plus par la case système. Ils vont directement vers leur individuation. Donc, ça fait des gens qui par nature ne se sentent plus bien dans les normes, les, les mécanismes normatifs dont ont besoin les chaînes de commandement. Donc, ils sortent, on prend des gens comme ça, individués, et qui, qui ont engagé de toute façon une culture de l'individuation, ce que j'oppose à l'individualisme, l'individuation, ça veut dire aller vers son être, et tous ces gens-là, on leur donne des ordinateurs, du réseau, d'Internet, des socialware, des communityware. Ça nous fait une sacrée bombe sociale, ça, parce que ça fait donc des gens capables à la fois de devenir uniques, euh, un carrefour de tas de choses qui les passionnent, qui en font des gens uniques, et en même temps capables de se coordonner avec les autres. Ce qui s'avérait très difficile dans la pyramide. Dans la pyramide, il faut des gens uniformes. Il faut, on parle d'ailleurs de description de poste. On devient cadre dans une boîte. <laughs> il y a tout un langage minéral qui s'oppose à un langage biologique, d'ailleurs, qu'on qu se met à trouver maintenant dans cette intelligence collective holomidale. Donc oui. Il y a un lien très clair entre des gens qui vont vers leur individuation et le fait qu'ils se mettent en réseau, qu'ils se mettent à s'assembler avec des gens euh, pour certains similaires ou d'autres très différents. Et on voit donc apparaître des nuages comme ça de, de gens qui s'interconnectent qui et qui posent les bases de cette intelligence collective holomidale. Elle n'a plus qu'une grande étape à franchir maintenant, inventer sa propre économie. Elle repose encore sur euh, l'économie du monde pyramidal. Mais là, on parle de quelques années, puisque arrivent les crypto-technologies qui vont permettre justement à des mécanismes complètement distribués de se mettre en place et d'animer ces systèmes, ces systèmes vivants. Voilà, il y a donc simplement une transition d'écosystème euh, humain. Un nouvel écosystème, il n'arrive pas comme ça euh, de, de l'espace, il, il pousse sur l'ancien. Chacun a besoin de l'autre. Il y en a un qui meurt, qui résiste, euh, qui en même temps euh, produit euh, la suite. Donc euh, il y a un phénomène très naturel. Et puis il y a le suivant qui pousse dessus, qui se nourrit et qui détourne, qui hack euh, l'ancien. Mais comme l'ont fait euh, les, 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 les corps cellulaires en détournant des bactéries à leur avantage, en fait, l'évolution, elle fait toujours comme ça. Elle a un processus d'effondrement et de hacking en même temps pour passer à l'étape suivante. Le lien entre l'expérience individuelle, s'y coller, se, se foutre au charbon, et puis euh, essuyer les pots cassés, et apprendre, et donc d'écrire. Et en décrivant, on peut commencer ensuite à designer des, des systèmes et à faire de l'ingénierie. Donc j'ai vraiment ce, cette, cette, cette approche aussi de, voilà, de chercheur, d'ingénieur dans ces dans ces aspects-là. Sur l'ingénierie sociale, ça se joue euh, à deux niveaux. Le, le, le premier niveau, déjà, toujours expérimenté sur moi-même. Si par exemple il s'agit euh, de dire tiens comment on peut faire évoluer la langue un objet euh, général je vois comment j'ai pu transformer des choses sur ma propre façon de parler les langues que je connais par exemple en français comme en anglais euh, je n'utilise plus le verbe être ou je n'utilise plus le verbe to be euh, depuis des années pour voir déjà l'impact que ça a sur moi et de m'apercevoir que tiens ça, ça transforme aussi des choses dans, dans le corps social autour de moi puisque comme tout être humain je, je fonctionne avec les autres. Le fait par exemple de vivre dans l'économie du don pourquoi je l'ai fait Je l'ai pas fait simplement pour moi par idéologie spirituelle ou autre chose. En fait je l'ai fait de manière très pratico pratique de voir que l'économie du don ça marche bien dans les petits groupes. On le fait naturellement, on se donne, on échange des choses. Et on sait le faire parce qu'on a une vision d'ensemble des ressources qu'on a, ça s'appelle l'holoptisme en intelligence collective. Dès qu'il y a des très grands groupes, des nations, des milliers de personnes, etc., on ne sait plus faire Ça, On n'a plus la vision des ressources, on peut donner à qui, demander quoi, euh, comment, comment on le fait autour de la table. On n'a plus la table là devant, devant soi. Eh bien, comment, avec euh, les technologies existantes, on peut redonner cette vision d'ensemble de, de, de l'état des ressources, des richesses qu'on a, ce qu'on peut demander, ce qu'on peut offrir, à qui, comment, comment éviter les déséquilibres, que tout aille là et pas là, etc. Donc, euh, il y a à côté de ça un véritable design euh, technologique pour pouvoir rendre ça possible, donc ce qu'on appelle de l'holoptisme augmenté, ça veut dire la vue du tout augmentée, puisque je ne peux pas voir tout le monde euh, physiquement. Mais en même temps, il fallait aller aussi dans mon intériorité, ça veut dire de voir ce que psychiquement ça allait transformer en moi, le fait de vivre dans l'économie du don, pour pas parler de manière, de manière théorique. Donc euh, voilà, je donne quelques exemples rapides comme ça. Mais de voir qu'il y a un lien indissociable entre essayer sur soi-même, de voir comment ça transforme aussi euh, psychiquement, euh, comment ça m'a donné aussi un langage nécessaire, parce qu'on a des milliers de mots pour parler de l'économie de, de, de marché classique. Alors là, dans ces moindres détails, et puis dès qu'on parle d'économie du don, qui relève d'un terme technique en économie, on a une dizaine de mots, un peu bisounours, un peu schtroumpf. Euh, on va se tromper, <laughs> voilà. Euh, et alors que ça relève d'un système social, d'une ingénierie sociale, plus complexe encore que l'économie de marché. Euh, mais un petit peu comme au début de l'aviation, on n'avait pas les mots de l'aéronautique qu'on a aujourd'hui, avec aussi des milliers, et des milliers de mots très spécialisés qui permettent de faire voler des, des, des machines très, extrêmement sophistiquées. Eh bien voilà, il fallait commencer. Évidemment, ça ne se trouve pas tellement dans les discours de, de, de programmes politiques, etc., qui restent euh, vraiment euh, dans, cet, euh, dans cet ancien paradigme. Ça reste euh, un des points difficiles parce que les économistes classiques ne comprennent rien, mais rien à cette, euh, à cette nouvelle euh, façon de voir les choses, mais un petit peu comme... Euh, des physiciens de la physique de Newton auraient certainement du mal à comprendre, voire à accepter euh, la théorie, euh, la, la relativité générale ou euh, la physique quantique. Et pourtant, ça transcende et ça inclut. Newton marche toujours aussi bien euh, dans, dans les théories relativistes ou dans, la, ou dans la physique quantique. Simplement, on a un paradigme plus, plus vaste. Au début des années 2000, euh, j'ai fait ce choix de quitter. Euh, le monde de l'entreprise, euh, dont, je, dont, je dont je faisais partie, donc le high-tech et tous ces trucs-là, pour vraiment me consacrer à cette euh, recherche et développement en intelligence collective, en me disant, voilà, le, le, le dénominateur commun, finalement, les grandes questions se trouvent sur, euh, sur l'ingénierie sociale. Poser l'intelligence. Souvent, euh, quand les gens parlent d'intelligence, ça peut sembler prétentieux. Moi, je considère l'intelligence, ça nous traverse. Je ne me considère pas propriétaire de quelque chose, je ne considère pas avoir un mérite. On peut activer l'intelligence, il y a plein de formes d'intelligence qu'on peut, qu peut activer, mais j'y vois quelque chose d'une expérience beaucoup plus transcendante. Ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui, je me déclare comme terrien open source. Euh, et, et, et vraiment, euh, il ne s'agit pas d'un effet publicitaire, je me vis littéralement comme terrien open source. Ça veut dire comme, plus comme un... Un appareil radio euh, qui capte euh, des ondes. Euh, les, les émissions qu'on entend d'un appareil radio, elles viennent pas de l'appareil radio, il les capte. Alors, on peut peaufiner l'appareil radio pour qu'il qu capte des fréquences plus vastes et que euh, ce qui en sorte est, de, de, est une meilleure qualité. Donc je, voilà, je me vis un petit peu plus comme ça. Mais donc oui, il y a, y a eu vraiment ces, ces étapes, ces déclarations euh, personnelles et donc qui à chaque fois ont posé des phases libératrices. Comme par exemple le, le choix en 2011 de vivre à 100% dans l'économie du don. Euh, en 2009 de poser un vœu qui s'appelle le vœu de richesse que vous pouvez trouver sur euh, qui se trouve sur Internet que beaucoup de gens ont pris d'ailleurs depuis. Euh, amusant, je ne l'avais pas prévu, mais voilà, il y a des gens euh, régulièrement qui, qui m'écrivent qui disent « Puis-je passer le vœu de richesse euh, ?» <laughs> ouais, pas de permission à de me demander. Euh, voilà, donc il y a eu comme ça différentes étapes, à chaque fois la libératrice. Mais ça procède d'un processus assez simple finalement, on fonctionne par palier. Euh, tiens, il y a une coquille là euh, qui nous semble assez grande, ben, on, va, on va grandir, déployer ses ailes dedans, puis au bout d'un moment les murs semblent ou la, la, la coquille semble un peu étroite, bon il ben, faut la casser, et on va à la suivante, et ainsi de suite. Voilà, donc... Ça, ça relève aujourd'hui d'un processus assez... Euh, que j'ai pas mal étudié, dans lequel je me sens assez bien. Qui fait qu'on a des plateaux, on peut parfois même avoir des crises hein, avant qu'on réagisse. Que tiens, ça ça marche plus très bien, on se sent plus aussi bien. Ben ouais, ok, il va falloir passer dans une, ce que j'appelle une zone grise, un peu dépressive, euh, où il la, faut laisser venir la suite et il n'y a pas de souci. On passe à l'acte, ça représente l'exemple le, parfait de, de gens extraordinaires euh, qui n'ont pas attendu les, les formes institutionnelles classiques euh, pour euh, se dire bah, tiens, on peut faire des choses absolument extraordinaires et, euh, et on crée finalement des nouvelles infrastructures. Elles émergent comme ça, hein, elles émergent naturellement avec euh, des techniques, avec des technologies. Très particulière qu'on apprend chacun les uns avec les autres. On n'a pas le, le livre de recettes, on n'a pas le livre blanc, on n'a pas le livre bleu ou vert, on n'a pas le livre machin pour les nuls. On le fait par un ressenti euh, se dire, tiens, je me sens bien où Dans quelle forme d'expression et je sens cette, cette impulsion et je vais faire avec euh, les moyens dont je dispose aujourd'hui dans cette époque passionnante qui s'appelle des ordinateurs, qui s'appelle des social wear, des community wear, du matériel pour, pour filmer euh, comme maintenant, euh, des réseaux de gens absolument incroyables qui se, qui se constituent. Donc ça émerge partout. Et là, on voit la naissance de cette intelligence collective holomidale qui se, qui se met en place. Et ça peut aller très, très, très vite.